عزيزتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon de l'orthographe qui concerne le niveau 6e année de l'enseignement primaire. La leçon s'intitule sur les accents. D'accord ? Pour présenter cette leçon, j'ai proposé le support suivant. Regardez, je vais vous lire, suivez avec moi. Remplacez votre casque après tout choc, même si apparemment il ne semble pas abîmé. Même si vous n'avez pas eu d'accident avec votre casque, changez-le régulièrement. Environ tous les 5 ans, le matériau utilisé pouvant perdre ses qualités au fil du temps. Contrôlez l'état de votre casque à chaque utilisation. Je répète, remplacez votre casque après tout choc, même si apparemment il ne semble pas abîmé. Même si vous n'avez pas eu d'accident avec votre casque, changez-le régulièrement, environ tous les 5 ans. Le matériau utilisé peuvent perdre ses qualités au fil du temps. Contrôlez l'état de votre casque à chaque utilisation. D'accord? Donc, suivez avec moi. Regardez les mots qui s'écrivent en gras. Après, même, abîmé, régulièrement, matériaux utilisés, qualité, contrôlé, à. On va répondre aux questions de la rubrique « J'observe et je découvre ». Suivez avec moi. La première question. Coche la bonne réponse. Suivez. Donc ici, coche la bonne réponse. Je remplace mon casque. Est-ce que avant un accident, ou bien après un choc, ou bien pendant mon trajet? Je change mon casque chaque année, tous les 5 ans, après un choc. Donc, on va cocher la bonne réponse ou bien les réponses justes. On va voir. Je remplace mon casque avant un accident, après un choc ou bien pendant mon trajet. On va voir dans le support. Remplacez votre casque après tout choc. Donc, la réponse est après tout choc. Donc, on va cocher après un choc. D'accord? Je change mon casque quand? Est-ce que chaque année, ou bien tous les 5 ans, ou bien après un choc? Donc, c'est tous les 5 ans et après un choc. Tous les 5 ans et après un choc. On va voir. Donc, on change le casque tous les 5 ans et aussi après un choc. Donc, on va cocher deux réponses tous les 5 ans et après un choc. La deuxième question. Observe les mots en gras. Identifie ce qu'ils ont en commun. Donc, les mots en gras, ce sont après, même, abîmé, régulièrement, matériaux utilisés, qualité, contrôlé et à. Donc, j'identifie quoi? Ce qu'ils ont en commun. Donc, ce qu'ils ont en commun avec les mots en gras sont les accents. Regardez. Ce qui est commun entre ces mots, ce sont les accents. D'accord? Ce sont les accents. Maintenant, on passe à la rubrique « Je manipule et je réfléchis ». La question « Classe ces mots. Après, même, abîmé, régulièrement, matériaux utilisés, qualité, contrôlé et à ». Donc, on va les classer dans le tableau suivant. Regarde. Ici, il y en a accent aigu, et ici, il y en a accent grave, et ici, il y en a accent circonflexe. Donc, on va classer selon le type de l'accent, d'accord?
Regardez, ici, il y en a abîmé, matériaux utilisés, qualité. Ils ont le même accent. Regardez, l'accent. Donc, c'est l'accent aigu. D'accord? Abîmé, matériaux utilisés et qualité. L'accent grave, il y en a après et à et aussi régulièrement. Après et à et régulièrement. Donc ici, on peut mettre régulièrement dans la colonne de l'accent grave et l'accent circonflexe. Parce que il y en a ici accent aigu et ici accent grave. Pour l'accent circonflexe, il y en a même et contrôlé. Ils ont l'accent comme un chapeau. Donc, c'est même et contrôlé. Et on peut mettre aussi abîmé. Et là, l'accent circonflexe sur i. D'accord? Donc, suivez avec moi et écoutez bien comment je vais prononcer les mots. D'accord? Regardez. Abîmé. Mais, l'accent aigu. Maté, matériaux. Utilisé. Qualité, té. Mais, t, z, t. Donc, ça, c'est l'accent aigu. Pour l'accent grave, après, a, régulièrement, rièrement, après, hièrement. D'accord? Pour l'accent circonflexe, même, contrôlé. Même, contrôlé. D'accord? Donc, ce sont les trois types d'accents. Maintenant, la deuxième question dans la rubrique « Je manipule et je réfléchis » relève les mots avec accent et remplit le tableau. Regardez, voici quelques règles recommandées par la sécurité routière pour les piétons. Sur le trottoir, marchez loin du bord. Évitez de descendre sur la chaussée où circulent des véhicules. Ne passez pas à côté des voitures qui roulent. Le long d'une route ou d'une rue sans trottoir, marchez à gauche de la chaussée. La nuit, portez des vêtements clairs ou un accessoire réfléchissant. D'accord? Donc ici, on va relève les mots avec accent et on va les remplir dans le tableau. Donc, E avec accent aigu. Donc, les mots sont recommandés. Recommander, réfléchissant, sécurité, regardez, sécurité, et chaussée. L'accent grave pour la lettre E. Donc ici, il y en a règle et routière. Règle et routière. L'accent circonflexe pour la lettre E, il y en a que vêtements. Vêtements, regardez, vêtements. O avec accent circonflexe. Côté, regardez, côté. A, il y en a A. U, avec accent grave, il y en a U, ici. D'accord? Donc, d'après tout cela, on peut déduire la règle suivante. Restez avec moi et suivez avec moi, d'accord? Je retiens. On distingue plusieurs sortes d'accents. L'accent aigu, qui ne se trouve que sur les E, c'est-à-dire sur la lettre E. Exemple, écolier, piéton. L'accent grave, qui peut se trouver sur le E, le A ou le U. Frère, la ou. Pour l'accent circonflexe, qui peut se trouver sur toutes les voyelles. A, E, I, O, U. Ici, tête, accent circonflexe sur E, râteau, accent circonflexe sur A, mur, accent circonflexe sur U, drôle, accent circonflexe sur O, et abîmé, accent circonflexe sur I. Donc, ce sont les types d'accents. Il y en a l'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe. Donc, maintenant, on va passer pour faire des exercices d'entraînement. Je m'entraîne. Le premier exercice. Et le deuxième exercice. On commence par le premier exercice. La question c'est barre l'intrus.
Ici, il y en a trois séries. Donc, on va commencer par la première série. Se promène, père, policier, problème, douzième. Donc, comme vous voyez, tous les mots ont des accents, sauf policier. Donc, policier, c'est l'intrus. La deuxième série, conducteur, véhicule, accéléré, sécurité, prévention. Donc, aussi, il y en a véhicule, accéléré, sécurité, prévention ont des accents et conducteur, il n'a pas d'accent, donc c'est l'intrus. Il y en a hôtel, forêt, contrôlé, côté et hauteur. Regardez ici, tous les mots ont des accents circonflexes. Ici sur O, ici sur E, ici sur O, ici sur O et ici sur O. Donc l'intrus c'est forêt. Pourquoi? Parce que ici, l'accent circonflexe se trouve sur la lettre E. Donc l'intrus c'est forêt. L'exercice 2. Mettre l'accent convenable. Près de mon école, il y a un grand jardin où nous passons nos après-midi libres. Contrôlez l'état de votre véhicule d'une manière régulière. Donc ici, on va mettre les accents. Donc, on va mettre les accents. Regardez ici, près. Donc, regardez près ici, l'accent grave. École, l'accent aigu. Et après-midi, accent grave. Après-midi. Contrôler, on va mettre ici sur O, accent circonflexe. Donc, contrôler l'état. Donc, on va mettre ici accent aigu. Comme ça. De votre véhicule, on va mettre ici accent aigu. Et ici, sur E, accent grave. Et ici, deux accents. Accent aigu sur E et accent aigu sur E ici. D'accord? Donc, c'est ça l'extrait avec les accents. Près de mon école, il y a un grand jardin où nous passons nos après-midi libres. Contrôlez l'état de votre véhicule d'une manière régulière. Passons maintenant pour faire l'exercice d'évaluation. Exercice. Sarah a mal placé quelques accents dans son texte. Le professeur a souligné les erreurs. Aide Sarah à corriger. Donc, regardez les erreurs qu'elle a fait, Sarah. Autorisé à l'excès, vitesse, être et majoré. Donc, la vitesse maximale autorisée, regardez, autorisée. Donc, la réponse juste, c'est autorisée avec accent aigu sur E. Ce n'est pas accent circonflexe. Ici, attention à l'excès, donc A avec accent grave, d'accord? Pour l'excès, l'excès, d'accord? L'excès, c'est accent grave, ce n'est pas accent aigu. De vitesse, vitesse, n'a pas d'accent ici. Il peut causer un accident, il est sanctionné par un retrait de points et une amende qui peut être accent circonflexe sur E. Minoré ou majoré. Et ici, accent aigu sur E, ce n'est pas accent grave. D'accord? Donc, c'est ça l'exercice. Et merci pour votre attention. J'espère que vous avez très bien compris la leçon d'aujourd'hui, les accents, l'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe. Nous vidéo à Inch'Allah. La tansou li shirak fil qanat. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.